tout cueilli. On a trouvé plein de trucs. Yo, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le vlog numéro 6. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas sorti de vlog. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis en local parce que c'est un vlog très spécial. Aujourd'hui, on va être avec Laipo in Tahiti. Donc, c'est une jeune passionnée de la culture polynésienne. Elle partage cette passion à travers des bouquets de fleurs, des couronnes, etc. Vous avez sûrement dû la voir et on va passer une belle journée avec elle. C'est parti! Ah, bah là, il est de côté. Il est toujours là. Bon, là, je suis avec Laipo. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur comment t'es venue la passion des fleurs et tout, à quel âge ça t'a commencé? Ben, je sais que c'était depuis bébé, j'ai toujours cueilli des fleurs. Et peut-être 6 ans, j'ai commencé à faire des couronnes avec ma tati, ma maman, ma grand-mère. Et, le fait tous les jours. Ouais, mais j'aime aussi l'art floral et tout, les bouquets. C'est-à-dire l'art floral? Et de fleuriste m'intéresse carrément. Ok. Et du coup, je pense qu'elle veut faire fleuriste. Et là, en ce moment, tu fais quoi comme étude? Je suis en deuxième année d'un BTS commerce. Je termine en mai. En mai. Après, c'est l'examen. Et après, vous pourrez faire toutes les commandes que vous voulez à n'importe quelle heure de la journée, matin, midi, soir, minuit, comme vous voulez. Sauf les dimanches. Sauf les dimanches, c'est toujours ça que ça n'a pas le droit. Bon, là, c'est parti pour la cueillette du matin. Donc je suis avec Laipo. Yaorana. On va aller cueillir des fleurs dans le chemin et tout. Déjà, on avait choisi ça. Notre petite cueillette du matin. Ouais. Prix des outils. Apparemment, il en faut 9 ou 8. 9 ou 8 pour faire le lei. Et en fait, c'est une couronne hawaïenne pour hommes. Même pour femmes, mais et c'est quand même facile à faire. Et du coup, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure dans le tuto. Donc là, on a tout cueilli. On a trouvé plein de trucs. Des oiseaux de paradis, des hibiscus. Des fleurs de flamme. Des fleurs de flamme, ça s'appelle comme ça? Ouais, non, je sais pas. Et là, on va faire la couronne. On va faire la couronne pour les femmes. Et après, on va faire le tuto. Donc maintenant on va faire un de coups pour les hommes, donc le lei, et elle m'a dit que je pouvais le faire en 20 minutes. Donc on va mettre un petit chrono et on va voir si je peux vraiment le faire en 20 minutes. C'est bon, t'es prêt? Ok. 20 minutes, c'est parti, allez. Ok, du coup là, qu'est-ce que t'as fait?
Donc là, on a préchauffé des feuilles pour qu'elles se ramollissent un peu avant. Donc tu vas la séparer en deux. Ok. Là, je te montre le modèle. T'as vu, ça fait ça. Tu sépares la feuille en deux et t'as... Vas-y, c'est pareil, je m'en vais accepter. Ah, faut pas qu'il y ait le milieu. Je viens de me rendre compte que ça n'avait pas enregistré tout ce que j'ai fait. Mais il a fait ça. Et ouais, j'ai fait tout. Je déconne pas, c'est vraiment moi qui l'ai fait. Il n'y a aucune preuve. Mais on peut continuer. Mais c'est moi qui l'ai fait. Je tiens à le préciser. Parce que c'est pas cool sinon. Et donc en fait, c'est assez simple. Juste à tresser comme si on tressait des cheveux. Et c'est ultra simple. Et donc, je crois qu'on l'avait dit. On a mis un chrono de 20 minutes, voir si je pouvais le faire. Et là, on est à 6 minutes. Et je crois que je suis vraiment dans le temps. Dès que vous arrivez au petit bout, eh ben, vous prenez le bout d'une nouvelle feuille, vous le posez juste dessus, et vous retressez par-dessus. Et voilà, magnifique couronne. On va passer aux choses sérieuses, le shooting. Donc on va faire le shooting photo avec l'hypo et les couronnes de fleurs bien sûr. Et là à ce moment où vous regardez la vidéo, les photos sont disponibles sur le compte de l'hypo in Tahiti, que je mets en description là. Et sur mon compte Florian Ray. Click on the link below. Right now, man. It's gonna be good.